Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un walk through, premier épisode de Secret of Mana 3, donc qui est sorti en 1995. C'est Secret of Mana 2. Oh merde, oh bon bah ouais, mais pourquoi c'est Secret of Dekensu 3? Parce que le premier Seiken il est sorti sur Game Boy en fait. Ah ouais, bon bah voilà, Secret of Mana 2 alors, c'est si tu veux. Et voilà, donc on va faire ça en plusieurs épisodes, on va essayer de finir le jeu, de vous montrer l'intégralité du jeu, on le découvre en même temps que vous, donc je serai accompagné de Bruce. Salut. Voilà. Donc là, le jeu est traduit en français, donc ça c'est peut-être intéressant. Ah, pour la team Terminus traduction. Ok. C'est qui les persos là à l'écran, puisque je reconnais aucun. Bah donc en gros, le jeu il se base sur l'histoire de 6 personnages différents. À chaque fois il y aura une intro différente, mais la trame elle sera globalement la même. Et là faut en choisir 3. Donc il y en avait 3 dans le premier épisode, on aurait peut-être dû faire un walkthrough, mais bon, c'est pas grave, on va découvrir celui-là. Je fais commencer, t'es prêt? Ouais. Ouais, c'est parti. J'ai dit c'est parti. Donc là, faut choisir les 3 personnages, dont le personnage principal. Ouais. Ce que je propose, c'est de prendre. Que des gonzesses? Non, c'est que. Non, il y a 3 mecs, voire 4. Et 3 mecs? Ouais, enfin, c'est un peu des. Voilà quoi. Bon, alors moi, je propose que. Moi, je prends lui d'abord. Ah merde, j'ai fait Prends le mec en main droite, c'est Oak, c'est un voleur. Bah, renomme-le Momo. Momo Ahmed, un voleur. Ah ouais, putain, allez appelle hop. Le Momo. Non, je vais l'appeler Luffy. Oh non. Pourquoi? Appelle le Momo. Putain, enfoiré. Alors attends, comment on fait pour effacer? B pour effacer. Voilà. Alors. Attends, mets une majuscule au M là. Ça me stresse là. Non. Momo il a pas volé de majuscule. Ah ok. Alors hop, voilà. Comment on fait pour en finir? Entrée. Voilà. Ensuite, moi prends-moi le personnage du milieu, c'est un homme loup. Oh putain, c'est trop dark, un homme loup. Ah bon, j'ai pas envie de m'appeler Kevin, donc tu m'appelles Bruce. Hein. Ah Kevin. En plus, il s'appelle Kevin, c'est trop dark quoi. Oh merde, putain, merde. Voilà. Alors. Bro. Non, tu m'as appelé Kevin B. Non, je vais pas m'appeler Kevin B. Comment fais-tu? Ouais, c'est trop tard, hein. Tu t'appelleras non, Kevin. Je m'appelle pas Kevin B. Tu t'appelleras Kevin B, mec. Comment on fait pour venir? Vas-y. Ah, voilà. Ouf. On peut. Kevin B. Oh, ça l'aurait bien fait, quoi. Alors, comment je l'appelle? Bruce? Ouais, Bruce avec un B majuscule, voilà. Voilà, comme Bruce Banner, alors. Bruce. À droite. Ouais, c'est parfait. Bagarreur. Et en troisième, le caster. Non, on prend Jella à gauche. Elle fait des sorts de ouf. À gauche. Ouais, elle. Oh, elle a des gros nichons en plus. Enfin, des gros nichons au niveau des pixels, quoi. Ça fait 30 pixels. Elle a des gros pixels, quoi. Oh putain. Alors, on l'appelle comme ça ou on change? On va l'appeler, je sais pas, suceuse. Non, Non. But. Non, ouais. Non. Catin. Catin, c'est bien. Catin, ok. Putain. Bah. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, bah, elle s'appellera Angela. Merde. Oh merde, putain. Ah bah c'est pas grave, elle a réussi à se sauver. Catin, ça l'aurait bien fait. Oh mais ça me dit quelque chose la map là. Eh c'est de nuit en plus, regarde, il y a les habitations, les miens. Donc là on va voir en gros l'intro de Momo le voleur. Partout où il y a de la lumière, il y a l'ombre. Cette ombre, il y a la guilde des voleurs de Navarre. Ah c'est pas mal, eh il y a le chat qui nous suit. Tiens, ouais, tu vois, c'est un voleur. Bah, c'est devenu un voleur. Je savais que c'était un arabe. Le mec qui faisait les prix les plus chers. En fait, on vous explique que chaque que vous voyez là, c'est le vendeur qui faisait les prix les plus chers dans Secret of Mana 1. Ouais, c'est le vendeur ambulant, mais sauf qu'il te vend les items 3 fois le prix des normales. Ouais. Donc là, il va falloir que tu voles un trésor. Ah, là, je dirige rien pour le moment. Ouais, c'est Cinematic Land quoi. Oh, une femme endormie. Un homme qui est dans une maison la nuit. Que va-t-il se passer? Ah, non. Il y a un noir à côté. On va rien faire. Oh putain, meuf là! Alors attends, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Jour, heure. Ouais, c'est parce que le cycle jour-nuit est compté dans le jeu. Ok, alors comment je reviens? Ouais, faut que je m'y fasse au niveau de la maniabilité, ça a changé vraiment au niveau des menus là déjà. Alors attends, ouais. On va essayer de voler ça. Chut, chut. Fais pas de bruit! Hey, trop facile! Voleur, mon argent! Tu
es réveillé. Bien, dans ce cas, laisse-moi te dire quelque chose. Facilement pris, facilement parti. Il semble que tu n'aies que peu travaillé pour obtenir tout cet argent. Et maintenant que tu le sais, tu penseras peut-être à changer de carrière. Un voleur me fait la morale. Ah ah, la morale étonne toujours les gens. Travaille dur maintenant. Il va sauter par-dessus le machin. Ah ouais, bah il saute. Ok, c'est vraiment un ninja. Forteresse des sables Navarre. Oh mais c'est ça te fait penser au comment ça s'appelle, Sésame ouvre-toi, tu sais, dans le désert, les contes des milieux de nuit. Ah bah c'est les voleurs quoi, dans le désert. Appelé Tempête du désert, la guilde des voleurs de Navarre vivait dans une forteresse isolée. Ah ça ressemble vraiment aux contes des milieux de nuit ça. Hein. Alors autant le premier Secret of Mana c'était vraiment axé sur Star Wars, mais là peut-être qu'on va avoir les milieux de nuit au niveau machin. Non c'est juste pour le background de ce personnage. Le raid s'est bien passé. Bon travail. Oh, pendant que tu étais parti, j'ai fait une annonce. Elle m'a pas traité d'homosexuel. La guilde des voleurs de Navarre n'est plus. Elle est devenue le royaume de Navarre. Dirigée par sa majesté, le roi Flamenco. Oula, ça, elle va foutre le bordel. Et nous ne pouvons pas rester dans ce lieu aride. Les oasis se tarissent. Donc nous construirons notre patrie dans un nouveau lieu en envahissant Rolante. Nous allons commencer un entretien. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer un moment? Donc déjà, on voit qu'il a une couille, là. Jessica. Ça, c'est ta meuf. Wow. Royaume Navarre, qu'à notre seigneur Flamenca. Il a toujours été fier d'être un voleur. Pourquoi part-il et fait-il tout cela soudainement? C'est sûrement pour notre bien. Nous ne pouvons pas vivre ici plus longtemps. Pas depuis que les puits se tarissent. Mais sa majesté le roi Flamenca, qu'a-t-il? Il est la monarchie? Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé que c'était une insulte. Ne parle pas ainsi. Ainsi de mon père, s'il te plaît. Oh. Ah non, merde, ça c'est le mec. Oh, ne me dis pas que tu es si excité. Non, si excité de devenir une princesse. Ouais. Il y a peut-être un C en moins. Oh, elle lui a foutu une claque. Sale pute. Dans ta gueule, ça. Alors, oh, je peux bouger, regarde. Youhou, vous me voyez? Alors. Donc là, faut que tu ailles te reposer. Alors que je vois vite fait comment on court. Ah, ça c'est pour courir. Ah, ça, le système pour courir, il est déjà mieux. Hein. Ça c'est le menu qui a l'air un peu bordélique quand même. Le menu il a l'air assez grand. Magie, contrôle, stats, sauvegarde. Mais attends, tu vois, ils ont fait. Ouais. Par contre, ça me fait un peu peur parce que ça a l'air assez lent. Win, c'est window, c'est fenêtre. Ouais. Tu peux changer la fenêtre, ça te chante. Ça c'est comme dans le 1. Ouais. Par contre, ça a l'air plus haut au niveau du menu, c'est moins déjà. J'ai l'impression vraiment que c'est lent. Alors tu dis, faut que je dorme. Mais oui. Non, je vais voir ce qu'il y a en bas. Ok. On va visiter. Let's go. Allez, hop. Par contre, quoi. C'est ça. Fait vraiment mal aux portes, les. Ouh, je m'assis sur le trône. Ouais, je vais aller en haut à droite. Je vais aller dormir, ça m'intéresse pas. Ok. C'est, j'ai envie d'avancer. Et toi, tu pourras jouer quand? Bah, je sais pas. Quand tu rencontreras Kevin Lamelou. Ouais, mais je peux aller partout sur la map ou. C'est quoi ce bordel? Alors, je reviens d'où, mec? C'était Ouais, c'est là. Je préfère dormir. Puisque tu m'as dit qu'il fallait se reposer. Hop. Alors. Pourquoi je suis. Voilà. Ouais, non, ouais, ses chaussures. Ouais, ses chaussures, hein. C'est un mec propre. Par contre, il dort tout habillé. Sauvez votre partenaire. Ouais, ça vient. C'est bon? Ah, t'as effacé ma sauvegarde, enfoiré. Quelle sauvegarde? Je pleure. Il y avait sauvegarde derrière. Enfin bon, c'est pas grave. Parti sauvegarder. Allez hop. Ça se trouve, on est encore de nuit.
Donc là, faut que t'ailles parler Au roi? Vas-y, va en haut. Faut que t'ailles parler à un mec, je sais plus comment il s'appelle. T'as déjà joué? Ouais, j'ai fait l'intro. Avant à droite. Allez hop, on va aller en haut à droite. J'ai fait juste l'intro, après j'ai arrêté. Faut que t'ailles en bas. J'allais dire, il y a de la sécurité là. En bas. Ouh, ouh. Oui, j'ai faim. Ah merde, elle va rien me servir. Alors, on descend. En bas encore. Là, tu vas en bas. Putain, c'est grand. Oh, on se perd. Et là? Merde, c'est où? Essaie de C'est descendre par pas les dans ma trucs. chambre, regarde, il y a quelqu'un. Non, non, non. Bah ouais, il faut descendre justement par là, l'escalier. Il faut parler au mec. Igalo là. Oh, tu as entendu parler des plans pour envahir Nantes? Ne penses-tu pas que Père agit étrangement? Oui. Bien, depuis que nous sommes enfants, nous sommes comme des frères. Depuis que le Père est revenu du désert avec Isabella, il agit étrangement. Coïncidence? Je ne pense pas. Je vais élucider cette affaire. Alors, on va voir si on peut toucher des trucs. Non, toujours aucune interaction avec le décor. Là, faut que je fasse quoi? Ok, y a pas un bug avec le lit? Non, Ah. tu peux aller te coucher si tu veux. Ouais, mais regarde comment je vais dans le lit. Bah, c'est comme ça dans tous les RPG généralement. Non, d'habitude, tu peux pas aller comme ça. Il y a Si, des lits coupés en deux. bah, si, y en a beaucoup, y en a beaucoup. Ah bon? Bah, je peux pas me coucher là, par contre, dans son lit. Maintenant, faut que t'ailles dans la salle qui a été protégée tout à l'heure par deux gardes. Ouais, c'est parti, on monte. Alors. Chut! Regarde, je vais voir de l'autre côté. Je vais aller voir un peu la Nicky Larson. Oh, en fait, c'est une pétasse. Compris, je dois en informer Lord. Hé, arrêtez! Voilà, il va la tuer. J'avais pas confiance en elle, regarde, c'est un méchant tas de pixels. Alors finalement, on vous a eu. Qu'est-ce? Qu'avez-vous fait à Père? Une interférence. Je vous laisse prendre les choses en main. Ouais, c'est Dracula, le mec. Certaines choses doivent rester secrètes, vous allez tout oublier! Fais revenir Père dans son état normal, ou je t'y forcerai. Stupide petit enfant! Ouah, c'est devenu un zombie! Qu'est-ce qui ne Ouais, il s'est va fait pas? ensorceler. Momo, fuyez! Détruire Momo, tuer! Pourquoi il veut me tuer, putain? Ah, il s'est fait ensorceler par Vas-y! Angela. Ressaisis-toi! Non, Ne par t'attends Isabelle. pas, que vas-tu faire? Le kill, les laisser te tuer! Ouais! Là, tu peux choisir de niquer ton Oh, pote qu'est-ce qui se passe? ou te laisser tuer. Ah! Bon. Putain, comment on utilise? Merde! Attends. Ok. Putain, mais il va me buter, ce con! Bouffe ça dans ta gueule! Ouais, par contre, au niveau des combats, c'est vraiment différent. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus réactifs, les ennemis. On peut plus les chaîner comme avant. Bah, c'est plus dynamique déjà, enfin plus bourrin. Ouais, je me suis laissé tuer, t'inquiète. Momo, je te sauverai! Et là, il va te soigner. Tu te bats contre un mec qui te soigne quand même, hein. Ouais, je pouvais pas me laisser mourir, quoi, en gros. Ouais. Mince! Il a dû se protéger avec sa lame! Pas mal joué, mais prends ça! Ah, ok. Là, il est mort, je pense, hein. Putain, la foirée! Ah, tenter de tuer le roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Momo, qu'as-tu fait? Ah si, Regan.
Toi, reste ici. Ouais, ils vont croire que je l'ai tué. Eh, ce n'est pas moi. Mais vas-y, c'est. Voilà, je Mais porte en un même temps, pseudo d'arabe. tu t'appelles Momo, quoi. Voilà. Je suis On peut direct pas te croire. accusé, quoi. Et comme tout Momo qui se respecte, tu finis en prison. Laissez-moi! Tu es ton propre ami! Est-il faux, t'abandonnes? Pense à cela en attendant ton exécution! Oh l'enfoiré! Ah! Ne sois pas fou! Si tu dis quelque chose, tu pourras dire adieu à Jessica! Qu'as-tu fait à Jessica? Oh rien, juste un petit sortilège! Un tout petit sortilège! Aussi longtemps que tu seras calme, rien ne lui arrivera! Ah! Wow, c'est fou! Ah, quel doublage. Ouais, t'as vu le doublage à Nicky Larson là? Alors. Donc là, tu vas te faire exécuter. Oh. Ok, il y a un trou dans le mur. La peine grillée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, voyons voir. Sûrement qu'il y a un truc à faire avec des sorts magiques ou un truc comme ça. Non. Non? Tu fais quoi? Ah, je te laisse trouver, hein. T'as pas besoin du Alors. menu. Il n'y a pas besoin de magie ou autre. Non, pas besoin du menu. Ok. Voilà, laissez-moi sortir. Ok. Je vais continuer. Ah, tu t'es à peine niqué la main, quoi. Bon, alors. Putain, il veut rien faire. Hein. Allez. Ah bah lave-la, Jessica. Jessica. Tu n'as pas tué Eagle, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Tu n'aurais jamais fait ça, toi, Eagle, étiez si bons amis. Dis-moi, qui a tué Eagle? C'est... Isabella, n'oublie pas le sort. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Momo, qui a fait ça? Pourquoi restes-tu si silencieux? Non, ce n'est pas vrai, Momo, tu n'as pas pu! Putain, toujours l'arabe qui a accusé, quoi. J'ai pas Jessica! compris pourquoi il a pas dit. Il a rien dit sur... Bon, allez hop, c'est parti. Tu vas me... C'est toi qui pousse, non? Non, c'était le truc. Wow. C'est quoi ça? Ah, c'est le chat. Sauvetage éclair par le chat, quoi. Putain, j'ai cru que ça allait bugger. Nikita, je sais que tu n'as rien fait. Sors d'ici. Passe ce trou. Passe par ce trou. Ok. Je te sèmerai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On monte les escaliers, on va dans la chambre. Frère Isabella parlait d'un collier ensorcelé. J'ai écouté derrière ce mur. Je crois connaître le moyen de briser la malédiction. Demande auprès de lumière à Wendell. Je sais que Wendell est loin, mais pas d'inquiétude, je reste derrière. D'accord, Nikita, merci, prends soin de Jessica. Je m'en occupe. Attention là-bas, frérot. Qu'est-ce qu'il me dit frérot alors que c'est un chat? Vas-y. Il parle comme ça dans la cité. Gagné, Momo s'est enfui. Bon, et là je fais quoi maintenant? Ah, foutu de barre. Alors attends. Wow. Ok. Par là? Non, bah tu vas pas rentrer dans le château alors que tu viens de t'en Mais c'est parce que je suis con. Allez hop, on va les affronter. Et tu vas les affronter? Bordel de. Bon, déjà les combats ça a Pas dans changé. la baraque là. Ah bah. La sauvegarde est beaucoup plus rapide qu'avant en tout cas. Ouais.
Alors, ensuite. Ah ouais, ça c'est les portes que j'ai ouvertes. Oula. Petit lag. Je vais où ensuite, moi? Par le sud. Ah, il y a des escaliers là. Où ça? Bah, au milieu d'un milieu d'écran là. Oh, c'est des escaliers ce truc! Putain, on croit un truc du décor. Oh, t'as vu, il n'y a plus le machin des trucs qui chargent. Comment ça? Bah, ça charge plus comme avant quand je cours. Ah oui, bah c'est plus pratique. Ouais, parce qu'avant c'était vraiment handicapant. Hein. Alors attention, alors quand il y a un combat, visiblement, voilà, tu vois, ça se déclenche automatiquement. Il sort ses armes. Ça aussi, ça a changé. On va aller par là. Ça a l'air moins galère quand même au niveau des combats. Ouais, déjà, ouais, même pour courir, c'est beaucoup moins galère, ce système. Tu peux pas sauter là? Non, merde. Bah, t'as dû louper un endroit. Tu peux passer à droite là? Ah, parfait. Ouais, j'ai pas regardé s'il y avait à droite. Ah, c'est pas grave. Hugel, mon ami. Putain, t'as tué ton ami quand même. Je jure de revenir un jour pour venger ta mort. Mais maintenant, je dois partir. Jessica, reste loin du chemin du mal pendant mon absence. Ouais, bon là déjà c'est vraiment pas mal au niveau du scénario, moi. Je t'en prie. Bah déjà il y a un certain background déjà au niveau des personnages Ouais, apparemment. voilà. Tu m'as dit qu'il y avait six histoires différentes au niveau des... Ouais, il y a 6 intros La différentes avec mort des boss différents. d'Eagle était encore présente dans l'esprit de Momo, mais il partit pour la cité sacrée. Putain, il y a encore les mêmes ennemis, t'as vu? Ouais. Afin de libérer Jessica... Oh putain, j'ai pas pu lire la fin. Il ne savait pas encore que le destin du monde entier allait être entre ses mains. Ah, ça rend bien foutu. Hein. Là... Tu vois, pour le moment, c'est Franchement, Ken une bonne Densu, intro. toi. Oh, là, nickel. Franchement, autant le premier, j'ai Merci pour vraiment un pas bateau avec une accroché. bonne musique. Ouais. D'ailleurs, le test devrait pas tarder à être publié, enfin, d'ici une semaine, je crois. Ouais, mais La vidéo polémique. vidéo polémique, on va dire. Mais là, déjà, je suis agréablement surpris. Le bateau, c'est vraiment assez bien foutu, hein, sur la mer, là. Franchement, graphiquement, au niveau du scénario, le scénario Il y a a l'air plus de plus détails. accrocheur. Ouais, voilà. Là, franchement, je... Bon, peut-être que je vais beaucoup plus accrocher au niveau du scénario dans ce film. C'est que le début, mais c'est déjà un bon début. Très très bon début, hein. Avec musique Hiroki et Kikuta, donc encore le même mec qui faisait les musiques. Enfin, c'était des équipes de 10 hein, autrefois, hein, même pas. Il faisait tout un jeu. Alors là, la cité. C'est la cité dorée, ça? Cité fortifiée de Jade. Captain. Je dis ça parce qu'il est Je Oh putain. Nous, les guerriers du royaume bleu, contre l'homme et charmante ville, ne posez aucune résistance et aucun mal ne vous sera fait. On n'est pas. Ok. On va aller voir là. T'as les mêmes pendant Vous 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 graissez, c'est gratuit. Je ne peux faire autrement. Quelqu'un qui a profité avec des souhaits ici. Il parle super vite dans cette ville. Bon bah oui, on reste pour cette nuit. Bien. Sauvez votre partie. Ok, putain. Alors. Partie sauvegarder. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, c'est moi, il y a une meuf à poil. Faut lui parler. Tu peux pas lui voler ses chaussures là, un truc. Tiens, je vais la réveiller avec une bifle. Ah, ça l'a Oh, putain. réveillée. Hé, t'étais en train d'essayer quelque chose par hasard? Oui, de te mettre une bifle. Oh putain. Oh putain!
Ah, cette claque de la mort. Et elle redort à poil. Je garde un œil sur toi. Vas-y, bah, je vais essayer de la violer. Oh non, ça va être same, dommage. Je pense qu'elle va être dans notre équipe, non? Ah, il me semble, en plus, que c'est la mâche, quoi. Putain, mais pourquoi elle dort à poil? Putain, les petits cochons de développeurs, quoi. Putain, les mecs, ils se disent, ah, wow, on va faire un truc vraiment en cochon, hein, pour un jeu en pixel, là. J'imagine le nombre qui se sont masturbés là-dessus. Alors. Ah, y a pas mal à charger, hein. Je ne suis pas effrayé. Ok. Y a-t-il, as-tu quelque chose à me dire? Oh putain. Ah, ça doit être direct combat, quoi. Quoi, tu veux te battre? Ok. Ok, au revoir. Oh non, ne dis pas qu'on a perdu. Je crois, pourquoi t'as fait combat? Pourquoi t'as fait combat? On a sauvegardé avant, heureusement, putain. Ah, ah non, okay, on se réveille là. Oh, c'était qu'un rêve. Franchement, t'as de la chance, hein. T'as... Non, où suis-je? Ah, au fait. Oh non, la vie! T'as un petit, putain. Ça t'a déconné. Faut que je redorme. Ouais. Bon, vas-y, on arrête de mettre en colère les hommes-loups maintenant. On peut choisir entre le matin et le soir, donc il y a un cycle jour-nuit à gérer, visiblement, ce qui n'était pas dans le premier épisode. Au premier épisode, peu importe si vous dormiez, il n'y avait pas de nuit. Il n'y avait que le jour. Un jour de Luna. Et c'est gratuit pour dormir, on dirait maintenant, non? Non, c'est juste parce qu'il y a les loups qui contrôlent la ville. Ok. Eh, oh, mais en vrai, bon, d'ailleurs, bon, ok. Si j'étais plus jeune, je n'aurais fait qu'une bouchée de ces soldats. Ah, ah, ah. Ok, c'est bien, tortue géniale. Oh, on va pouvoir s'acheter des armes. Ah, il me semble pas qu'on ait de l'argent. Ah, là, c'est dur. Ça va être une blague, un personnage qu'on aura pu prendre. D'armes. Et c'est un mec qui est je ne peux pas les vaincre. Ça... je vais me remettre en colère. Ok. Bon. Des clients, désolé, je n'ai plus rien. Les hommes loups m'ont tout confisqué, ok. Il me semble que je suis un homme loup en plus. Ah bon? Bah Kevin, ouais. Oh putain, il y a vraiment des hommes loups. Vas-y, parle à lui là. Oli? Ok. Ah, une lampe magique. Non, c'est le vendeur. Des bons becs, la corde pour se pendre. Tu l'auras dit. Ah, on a zéro en plus. Ouais. Mais il me semble que c'est plus limité à 4. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est moi ça. T'es sûr? Ah, je peux pas jouer. Putain, faut que je fasse quoi là? Alors. Un pub. Ah, si on veut avoir des informations, il y a peut-être un truc ici. Vas-y, parle au barman. Il devient une bête ennemie, que cela arrive, il ne peut pas rester tranquille, alors on pourra s'échapper. Ah, mais il a pas parlé de nuit? J'ai même pas lu. Regarde, regarde, on va retourner, tu vois ce qu'il a parlé. On va pas attendre la nuit quand même. Ah, il... ah oui, bah oui, c'est normal. Mon personnage aussi, dès que la nuit sera tombée, il sera beaucoup plus fort, il se transforme en loup et tout le bordel. Magasin d'armure, on s'en fout. Faut pas trouver le petit frère de l'autre, hein. Quel petit frère? Je vais lui reparler à l'autre, je vais dire que oui, j'ai vu son mec. Vas-y. Merde. Allez, vers la cheminée. Ah, allez, vers la cheminée. C'est quoi, hum bien? Je sais pas. Vas-y, mets hum. Vas-y, mets bien maintenant.
Ok, ouais, bon. Bon, j'avoue, on l'a pas vu. Ah, il ne semble pas qu'on l'ait vu. Bah, on va au nord maintenant. De toute façon, c'est toujours au nord. Hein. Ah, ils ont pris possession du château. Essaye d'aller parler à un homme loup et tu fais écouter. Toujours la possibilité de pousser les gens. Non, on pouvait déjà le faire dans Secret of Mana. Je dis oui, toujours la possibilité. J'ai des petits lags là, quand je bouge trop vite. Voilà. Fais écoute. Ah, ok. Non, c'est avec ça qu'on va avancer le schmilblick, hein. Putain. Ah, mais y'a vraiment rien de rien ou. Faut peut-être qu'il se transforme en loup. Ah, peut-être que l'autre il sera en loup. Y'a pas pensé à ça. Tu qui es dans notre équipe. Je vais attendre la nuit. Est-ce qu'il voit la plaine aussi? Essaye d'aller tout au sud de la ville, je sais pas si on y allait. Où ça? Tout au sud. Mais... Ah ouais, au sud. Ouais. Sud. On n'y est pas allé. Y'a rien. Y'a rien? Ah non. Y'a pas un passage au sud là? Non. Moi bah, je te dis, faut mettre la nuit. Il est pas pour rien cet hôtel. Peut-être qu'elle va se réveiller. Avec, on peut pas dormir la journée? Attends. Soir. Voilà, tu vois. Et là, il va se passer un truc. À mon avis, ouais. Et l'autre, elle dort tout le temps, c'est pas c'est gratuit. Elle va peut-être être réveillée, ouais, je sais pas, elle dort à poil. C'est un peu la pute du machin, tu vois. Bah, je te laisserai la contrôler. Et j'espère qu'elle se fout à poil dans le jeu. Mais j'aurai que des mains. Alors, ouais. On va voir Kevin maintenant. Ouais, il était où Kevin? C'était dans le magasin au nord là. À gauche. Gauche. C'était là il me semble. Putain, il est pas transformé. Passer ici. Ils sont pas un loup? Pourquoi c'est des hommes loups? Ouais, peut-être plus de monde. On s'est fait défoncer tout à l'heure, c'était la journée ou la nuit? La journée. Bon, elle va me dire encore le même truc, je suis sûr. Putain. Vas-y, essaie de parler à tout le monde pour que son petit frère là, parce qu'il va saouler sinon. Non, c'est pas là-dedans. Je sais pas, c'est peut-être son petit frère le vendeur. Faut parler à tout le monde. Y'avait pas un mec là-dedans. Hein. Oh, y'a du rat. C'est moi, je comprends pas que l'autre soit pas MC, en loup, là. Non, il m'a pas suivi. Putain, mais depuis tout à l'heure, je t'ai dit d'aller au sud. Je le savais. Je vais te frapper, mec. Ouais, c'est qui le boulet de l'équipe, là? Allez, venez, venez, venez. Il vient de se faire violer par des vieux loups pourris, quoi. T'aurais mieux fait d'y aller le jour, je crois, en fait. Ouais, mais ça va nous faire XP un peu. Ouais. Forêt de la Pargarde, ils dorment la nuit. Alors, qui c'est le génie? T'as vu? Je me fais de l'expérience parce qu'ils dorment les monstres. Ouais, bah super. Les lapins et. Comment j'enchaîne? Voilà. Ils dorment la nuit, mais c'est les loups qui t'attaquent. T'as vu comment je les explose niveau un lapin? Bah alors, on doit aller où là exactement? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai strictement aucune idée. Bah, suis les chemins, on verra où ça nous mène. Ok, pas mal. Pourquoi? Ça, c'est chiant par contre maintenant. Parce qu'ils se mettent tout automatiquement. Victoire.
Je me sens que tu peux te mettre en combat automatique aussi en restant appuyé sur le bouton A. Ouais, ouais, tu peux. Sérieux, on doit aller où? Je sais pas, explore. Oh là, et moi je voudrais que tu joues, hein. Ah. Et hop. Enfin, peut-être que je gagne un peu d'argent, je sais pas. Voilà. Regarde le panneau. Vas-y, on va à la Castoria. Pourquoi t'es pas à la droite? C'est en bas, village. C'était à droite, les flèches. Ah non, bah ouais. Bouffon, hein. Ta gueule. Ok. Voilà, j'ai l'impression d'être perdu. Oh là là, tu veux pas regarder ce qu'il faut faire? Non. Ça m'énerve. C'est quoi, ils vendent des armures? M'en fous. Moi, je veux avoir un coéquipier là, putain. C'est chiant. Je suis bloqué à la ville. Mais à mon avis, il faut retrouver le petit frère de l'autre con. Ouais. Ça se trouve, il était dans la grotte, le mec là. Son petit frère? Je sais pas, il y a toujours un petit frère paumé au milieu d'une grotte derrière un boss. Ouais, écoute, on va vite explorer le village, puis on va aller dans la grotte. Hein. Ouais. J'ai un bonbon. Lui, je peux pas parler au chien. Il y a des armes. C'est peut-être lui, non? Bon, bah, va au nord. Je l'ai pas fait, ça. Non, on n'a pas fait. Tiens, un petit gamin. Ouais, non, aucun rapport. Petite fille, non. Putain, il donne pas les mots, maintenant, là. Bon, on va où, là, à la grotte? Ouais, vas-y, nord-est. Ouais, des lapins. Elle est où la grotte? Super! Bon, au moins, on va au moins, on est paumé, je crois. Hein. Ça fait chier, hein, sérieux. Ouais, bon, alors, pas de cité sacrée, pas de grotte. Y'a quoi par là? Non, pas de champignon, pas de champignon! Tiens. Voilà. C'est exactement le même bestiaire par contre. Alors, on va aller par là. Tu peux pas courir? Quand je suis comme ça, non. Voilà. Va au nord et après va à l'est. Voilà. Ah, mais il est à gauche. Hein. Ouais, ouais. Tu te bats contre un arbre là. Je sais que ça a l'air con, mais. Je te jure, là par contre, le système de combat me descend un peu par contre. À droite, droite. Ils ont fermé la ville? Ouais. Putain, mais c'est quoi cette connerie là? Ah merde, y'a rien ici.
On est pas dans la merde, hein. On peut pas à droite, on peut pas aller en haut. Bon, y'a un truc par rapport au lac alors. Si on peut plus revenir ici. Pourquoi ils ont fermé la porte? Peut-être parce que c'est la nuit. Bon, je pense. Tu peux pas pousser? Non, je peux pas. Attends. Tu vois? Non. Ouais, je pense qu'on devait partir du village quoi en fait. Putain, on se fait exclure de tous les villages. Bon, on va gagner un peu de machin, d'argent. Ouais, bah le lapin rapporte de l'argent quoi. Alors. Oui, bah calme-toi. Putain. C'est moi ou il commence à faire jour? Ah ouais, ouais. Le jour se lève apparemment. C'est ouf! Ah ouais, le jour commence à se lever. Ouais, il y a un cycle jour-nuit quoi. Ouais. Putain, c'est ouf pour l'époque, j'ai jamais pas, vu ça. Ouais, je sais pas si ça existait, hein, ou peut-être c'est le premier à l'avoir fait. Hein. Ah ouais, là franchement, je suis impressionné, tu vois. Parce que j'ai jamais vu ça dans les trucs. J'avais vu ça dans Pokémon à l'époque. Et... Bon, pas en 95. Sur la SNES. Putain, sur la Super NES quoi. Village. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? Ça m'énerve un peu de pas savoir ce qu'il faut faire là, tu vois. Lis le panneau. Ok, super le panneau. Voilà. Bon, si on trouve pas ce qu'il faut faire, on arrêtera là. Là il fait jour. Ouais, elle est scellée, on a bien vu ça. C'est bizarre que ce soit vide ici. Ouais. Et les effets du soleil. C'est bien foutu hein, graphiquement, là, y'a rien à dire. Ouais, plein de détails, c'est vraiment pas mal. C'est bizarre en plus que ça soit sorti. Ah, c'est sorti en même temps que Chrono Trigger. Un peu après, il me semble. C'est 2 ans après le premier Secret. Ah ouais, non, mais c'est. Je veux dire, avec Chrono Trigger, c'est en même temps. Ouais. On va essayer de retourner là-haut, voir si. T'es pas là ou à gauche hein. C'est quoi ça? C'est bloqué? Ah, t'es pas allé ici. Si, j'y suis déjà allé. Voilà. Ouais, bien. Voilà. Bon, là, j'y suis pas allé, par contre. Ah bah, c'est sympa, dis donc. Ouais, une statue, c'est pas mal. Tiens, on peut sauvegarder sa partie partout, maintenant. Déjà 43 minutes. Bon, il va faire quoi lui? Ok. Tu peux te contrôler là? Non. Je peux rien faire. C'était quoi l'intérêt? Je sais pas, me foutre par terre. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'aime pas ce système. J'aime pas choisir. On rajoute tout en agilité. Hein. C'est l'agilité pour le voleur, je pense. Alors? Je peux même voler maintenant? C'est quoi ça? Ah. Voilà. On va avancer. Ah bah voilà.
Ils me parlent tous de cette lumière. C'était où? Au-dessus du lac. Bah, c'était la nuit. Ouais. Putain, faut attendre la nuit maintenant. Bon, écoute, moi je propose qu'on continue demain. Ouais, parce que là. Je vais aller sauvegarder la statue. Voilà. On fera ça demain. Hop, je vais voir si, à quoi il sert l'autre là, je vais ressauter dessus. T'es sûr que tu pouvais pas te contrôler quand t'étais en l'air? Attends, je vais essayer. C'est bizarre, le mec il est déjà en l'air, ça sert à rien. Attends. Appuie sur tous les boutons. J'appuie sur partout. Ah bah c'est bizarre. On va sauvegarder, on arrête. Ok, on continuera demain quoi. Allez hop. Ouais, il est 1h30 en plus là du mat. Hein. Voilà. Et on vous dit à demain. Bonne nuit. Enfin, bonne matinée, je sais pas.